Bonjour les enfants, c'est l'amour à Rivka. Et sur la tête, j'ai une couronne de fleurs. Pourquoi? Parce qu'à Shavuot, Hachem nous a donné la Torah. Et il a mis sur la tête de chacun et chacune d'entre nous deux couronnes pour Naasé et Nishma. Parce qu'on a été prêts à accepter la Torah tout de suite et aussi à l'étudier et à la comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons raconter le livre « Le temps pour la Torah ». On prend le temps de manger, on prend le temps de dormir et il faut aussi prendre du temps pour étudier la Torah. Le temps de la Torah. Tous les gens que je connais font quelque chose chaque jour et montrent combien ils aiment Hachem. Et combien la Torah est importante pour eux. Mon voisin, Monsieur Burke, est un grand businessman. Il travaille dans un bureau. Il travaille sur l'ordinateur, au téléphone. Mais chaque jour, Monsieur Burke arrête de travailler à midi. Il quitte son bureau et se dirige vers un autre appartement. « C'est le moment d'apprendre, » dit Monsieur Burke. « Ça vaut plus que toute ma journée de travail. » Il prend son livre sous la main et va étudier la Torah. Il y a aussi le docteur Wassergold. Le docteur Wassergold s'occupe de tous ses patients, les petits et les grands. Il regarde dans les oreilles, les yeux, il vérifie le poids, la taille. Il vérifie que nous sommes en bonne santé. Et si ta gorge te fait mal, te pique, ou tu te sens mal, ou tu as la migraine, tu as mal à la tête, si tu as la grippe, si tu es malade, il sait exactement quoi faire. C'est notre docteur. J'entends souvent mon docteur dire qu'il se réveille tôt chaque jour, une heure avant tout le monde, parce qu'il est au calme et peut ensuite aller apprendre la Torah. Il dit: la Torah est la meilleure façon de commencer correctement la journée et d'avoir des forces d'Hachem pour toute la journée. Le plus grand professeur que j'ai jamais rencontré est Moré, Rabbi Rett. Ses élèves l'adorent et il les adore aussi. Il leur montre comment servir Hachem avec sa gentille voix douce. Il écoute chaque mot que l'on dit et nous les contournons toujours. Quand la récréation arrive, tous les garçons courent et jouent. Et notre Rav Rett ne se relaxe pas et ne s'assoit pas, même pas un tout petit peu. Il prend un livre de son sac et apprend pendant que nous jouons à cache-cache ou à la balle. Rabbi Rett dit à chaque garçon: la Torah est notre plus grande joie. Chaque jour en la lisant, je découvre de nouvelles choses. Le magasin qui nous vend de la bonne nourriture cachère appartient à Monsieur Aboud. Tout est bien propre, tout est bien rangé et il y a beaucoup de nourriture que nous aimons. Il y a du raisin, des cornichons, des tartes, des steaks, des cookies, des chewing-gum et des gâteaux au chocolat. Et même quand il est en train de ranger et de nettoyer, d'ouvrir des boîtes et d'organiser son magasin, Monsieur Aboud nous dit toujours, en s'arrêtant avec le sourire, que dès qu'il a un moment seul dans son magasin, il s'arrête et il sort une chaise pliante et une petite table, et il a une pile de livres qu'il peut étudier
Et ainsi, il étudie dans son magasin la Torah. Il dit, bien sûr que j'aime mon magasin, mais j'aime étudier bien plus encore. Alors, devinez quoi? Qu'est-ce que je fais toute la journée avant d'aller dehors jouer? Je fais ce que beaucoup d'autres gens font. Mon docteur, mon voisin le businessman, mon moré. La nuit, le jour, le matin, toute la journée. Ils étudient la Torah. Moi aussi, j'aime apprendre la Torah. J'étudie et je révise ce que j'ai déjà appris et j'essaye de rajouter encore et encore. Hachem est tellement content quand nous étudions le Alef Bet. Moi aussi, je peux le faire comme les grands. Et toi aussi, petit enfant qui m'écoute, toi aussi, tu peux étudier la Torah et rendre Hachem content. Moi, je dis toujours, prends le temps pour la Torah chaque jour.